Bonjour, vous vous appelez comment ? Bruno. Bonjour, vous vous appelez comment ? François Veillerette. Bonjour, vous vous appelez comment ? Yannick Jadot. Qu'est-ce que vous faites là ? Je sais pas, on buvait un coup parce qu'on est potes depuis pas mal de temps. Donc, Et vous appartenez à quelle organisation ? Ah, moi je suis apatride. Apatride ? Et vous ? Ah, j'appartiens à une organisation qui s'appelle Je me redonne. Dis-le, j'y arrive pas. Génération Future. Ah oui, très bien, merci. En fait, c'est une reconstitution de Ligue dissoute d'acteurs de Greenpeace. Greenpeace France. Vous aviez le président, le directeur général et le directeur des campagnes. D'accord, que du beau monde. 2001, 2002, juste avant 2003. L'euro, je me rappelle. Non, c'était après. Juste après, mais. Juste après. Alors, et de cette brillante époque, qu'est-ce que vous retenez ? Votre souvenir préféré numéro 1 ? C'était le moment le plus fun de ma vie. Et vous ? Professionnel et militant, quand même. Fun, il y a eu des moments plus fun après. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et vous ? Moi, j'avais pas encore de bureau au sein du siège de Greenpeace France que Bruno m'avait envoyé sur le Rainbow Warrior pour essayer de bloquer du bois qui venait du Libéria, ce bois servant à financer la guerre civile au Sierra Leone. Et en fait, je me suis retrouvé à rester embarqué sur le Rainbow Warrior pendant une semaine à jouer l'activiste. Et c'est un souvenir absolument magique, même si j'avais pas de quoi me changer, j'avais pas de quoi changer mes lentilles. Mais être sur le Rainbow Warrior quand on arrive à Greenpeace, c'est pas donné. C'est génial, c'est clair. C'est ce qu'on appelle les stages d'induction, mise en route. Il y a un processus qui s'appelle Welcome on Board. Voilà, c'est ça. Donc c'était le passé, maintenant on parle d'avenir. Quel est votre plus grand rêve pour l'écologie ? J'espère quand même qu'on va arriver à faire en sorte que cette de transition énergétique vraiment prenne son envol comme elle le doit, parce que sans ça, on risque d'être pas mal dans la... Voilà. Et vous ? Je pense que c'est objectif, mais plus généralement que l'écologie revienne sur l'agenda. Elle en est sortie beaucoup. Les problèmes sont toujours là, donc il faut qu'elle revienne dans l'agenda. Et là, on va tricher parce que ce serait trop facile, Yannick, tu as eu le temps de réfléchir. Donc, quelle est l'année dernière ton meilleur souvenir ? L'année dernière. J'ai été réélu. Réélu pour qui ? Pourquoi ? J'ai redoublé au Parlement européen. J'ai pouvoir commencer à continuer. Essayer de mobiliser sur le climat, je pense qu'il y a un truc qui est extraordinaire, c'est l'idée que chaque citoyen soit et son destin énergétique. Les technologies le permettent, avec les technologies renouvelables, avec les économies d'énergie, et que ce soit plus total, assis à la table de l'Élysée ou des ministres qui décident pour nous, que ce soit les citoyens qui décident entre eux. Ça, pour moi, c'est le rêve de l'écologie. Bon, merci beaucoup Yannick, merci beaucoup, et à bientôt.